अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, dans l'épisode précédent. Cher Chamcher, nous avons organisé une compétition sportive au village. Au fait, c'est une compétition pour les enfants. Les garçons vont participer à une course cycliste et les filles vont sauter à la corde. Je ferai la course de bicyclette. Waouh ! C'est ce que j'appelle des paroles d'homme. Nous allons commencer la course à bicyclette d'aujourd'hui. Oui, très bien ! Oui, Wupendra, avance, avance ! Wupendra, plus vite ! Très bien ! C'est la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée. Et c'est Rupendra Singh Baghela qui gagne la course. Aujourd'hui, mon fils m'a rendu très fier en remportant la course cycliste du village. Dis-moi ce que tu veux faire maintenant. Une fête, ta fête. Et pour maman aussi. Ce sera votre fête de mariage. Une super fête. La suite maintenant. Oh mais attends, fais-en manger d'abord à maman. Hein? Rupendra. S'il te plaît. Tu es content? Oui. Mais ne demande pas à ta mère de me faire manger aussi. Merci, papa. Hey, Mani, prends ce gâteau et emmène-le en cuisine, sinon tous les enfants vont le manger. Coupe-le là-bas et partage-le avec tout le monde, hein? Maman. Je suis émue. C'est la première fois que papa célèbre votre anniversaire de mariage depuis 20 ans. Je suis remplie d'émotions. C'est grâce à Rupe et à sa nature aimante. Je suis vraiment bénie du Tout-Puissant pour avoir reçu la chance d'être la mère de Rupe. C'est un vrai bonheur pour une mère d'avoir eu un fils tel que Rupe. C'est une bénédiction. Joyeux anniversaire, maman et papa. Oh, déesse mère, hier tu as fait gagner mon frère Rupe et lui a fait célébrer l'anniversaire de mariage de nos parents et a rendu maman très heureuse. C'est pourquoi je te remercie beaucoup pour tout cela. Et moi ? Je vais respecter la promesse que je t'ai faite, Kinjal. Tiens, voilà. 2500 roupies. À cause de la liste, je ne peux aller faire des achats là où mes sœurs vont faire leurs achats. Sinon, papa va se mettre en colère. Tu pourras t'acheter ta robe neuve maintenant, Kinjal. Puis montre-la à moi quand tu la mettras, d'accord ?
Mais dis-moi, où se trouve Gigna? Elle est allée rendre visite à l'une de ses amies. Elle va rentrer un peu plus tard. Roup! Non, attends. C'est le premier argent que tu as pour tes efforts. Nous ne pourrons pas le dépenser. Tu peux le garder. Mais pourquoi? C'est toi qui m'avais dit que tu avais besoin d'argent pour t'acheter une robe. J'ai menti parce que papa m'a dit de le faire. Pardon, Roup. Oui, c'est vrai, mais je n'en ai plus envie maintenant. Tu as le droit de conserver ton premier salaire, petit frère. C'est pourquoi tu dois le garder précieusement dans ta tirelire. Et nous, irons faire du shopping quand tu gagneras une deuxième fois. Tu veux dire qu'il faudra que je fasse encore la course? Bon, cela ne fait rien. Je peux faire n'importe quoi pour mes sœurs, Kinjal. La couleur rose. Kinjal aime la couleur rose, à ce qu'il paraît. Chamcher, c'est ton téléphone qui sonne. Allô? Oh, mais voyons, Ashok, est-ce que tu ne peux pas régler un cas sans moi dire? Mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, on va se renseigner sur le garçon aujourd'hui. Tu peux y aller, je te retrouverai là-bas. Tu parlais d'une alliance pour Imani? Oui, l'inspecteur Ashok avait passé le mot dans quelques milieux à propos d'Imani. Les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui. Dépêche-toi d'aller les habiller, va! Oui, tout de suite. Vas-y vite! Je vais y aller pour voir ce garçon. Si la famille paraît décente, on pourra commencer à parler. Chamcher, tes filles n'épargnent aucun effort pour complètement pourrir notre petit Rupendra. Et elles passent leur temps à te causer des maux de tête. Mais toi, tu t'occupes tout le temps du bien-être de tes filles, mon frère. Eh, as-tu parlé de ça à Imani et Kamla? C'est moi qui vais choisir le garçon. Je leur parlerai quand j'aurai vu sa famille. Oui, va voir le garçon, nous pourrons parler plus tard. Maman! Papa! Venez vite voir! Que se passe-t-il maintenant? Tu vois, je viens de te le dire, non? Mais Ranbir, qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? Pourquoi est-ce que t'as coupé mon sac? Comment est-ce que je vais aller à l'école maintenant? Mais qu'est-ce que tu as fait, chauve-souris? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, mon oncle, c'est que Kinjal avait écrit qu'elle aime la couleur rose. Alors, quand j'ai vu du rose sur le sac de Rupendra, je l'ai coupé. Oui, comme ça. Viens ici. Tu as fait un excellent travail. Et Rupendra, calme-toi, tu veux? Je vais t'apporter un nouveau cartable ce soir pour aller à l'école. Mais papa, il faut que j'aille à l'école aujourd'hui. J'ai une épreuve à passer. Laisse-moi voir. Regarde, il est complètement gâché. Donne-moi une minute. Oui. Champion hier, comme un vrai coureur cycliste. Merci, Palak. Oh, mais pourquoi as-tu l'air si triste? Oh, regardez, c'est un arc-en-ciel vivant. Maintenant, tu sais. Pourquoi je me sens aussi mal? Ces garçons se moquaient tous de moi. Qu'y a-t-il de mal à appeler un sac à dos coloré arc-en-ciel, dis-moi? Qu'y a-t-il de mal si Kinjal aime le rose? Où est-ce donc ma faute là-dedans?
Et si mes sœurs aiment le chutney de tamarin, pourquoi est-ce que je dois en être privée? Tu n'as rien à te reprocher. Moi, je peux te comprendre. Mais tu ne peux le faire comprendre à tous, n'est-ce pas? Et avec un sac qui ressemble à un clown, tous ceux qui le verront vont en rire, n'est-ce pas? Clown toi-même, Palak. Va donc jouer dans un cirque. Laisse-moi. Oh, mais Roop, écoute. Lui, c'est le fils du garçon. Monsieur Suresh. Et elle? Je suis la mère du garçon, Nirmala Devi. Et lui, c'est le père de la jeune fille. Dites, quel est le prénom de votre fils? Les. Kishore. Son prénom, c'est Kishore. Il travaille dans le département des impôts. Ah oui. Il doit gagner un bon salaire, alors. Depuis combien de temps y travaille-t-il? Dites, pourquoi lui parlez-vous, voyons? Adressez-vous à moi. Oui, ce n'est pas grave. C'est elle qui décide de tout dans la famille. Alors que faites-vous dans cette famille? Mais quelle famille désorganisée. Mais que dites-vous là? Vous nous critiquez? En plus de cela, en face de nous, monsieur? J'ai l'habitude de dire les choses franchement, madame Nirmala. C'est parce que... dans une maison à voile de sari et de moustache, doivent être portés par la bonne personne. On dirait que c'est vous qui portez le voile, n'est-ce pas? Et que votre épouse est celle qui porte la moustache. Monsieur Suresh, soyez un homme et parlez. Au cas contraire, je ne vais pas marier ma fille dans une telle maison. Dis donc, Nirmala, fais-leur goûter le gâteau sucré au beurre clarifié que tu as fait, allez! Apporte aussi du thé, tu veux? Oui, tout de suite. Mon épouse fait un excellent thé. Le fait, c'est que c'est elle qui a toujours voulu mener les discussions pour le mariage de son fils. Il est le fils unique de sa mère, vous comprenez? Il est aussi votre fils unique, non? Est-ce donc votre désir de porter des vêtements de femme et danser? Shamsher, laisse tomber. Il vaut mieux que nous parlions d'affaires. Comment ça? Parler affaires, Ashok? Maintenant, je pense qu'il faudrait que je voie son fils. Au cas où son fils aurait son caractère, parce que ce n'est pas le genre d'homme que je voudrais pour ma fille. Le fait, c'est que mon fils Kishore est allé travailler au bureau. Croyez-vous que je garderai mon fils enfermé chez moi? Je suis sûr que vous ne lui trouverez aucun défaut. Mais je peux vous montrer sa photo. Regarde-moi, voyons. Tu ne veux pas me parler, petit snob? Tu m'as qualifié de snob? Oui, un snob, un blob, un globe. Attends un peu, tu vas voir ce que je vais te faire. Que vas-tu faire? Compris? J'étais juste en train de jeter les choses partout, Palak. Mais là, je te frapperai pour de vrai. Vraiment? Fais-le si tu en as le courage. Je ne le ferai pas, parce que ma maman a dit qu'il faut respecter les filles. Parce que si jamais je te frappe, Palak, alors tu vas pleurer. Tu ne vas pas t'excuser alors? Tu me l'as pas demandé comme il fallait. D'accord. Pardon, Rupendra Singh Wagila. Excuse-moi à ton tour. D'accord, je te pardonne. Mais ne t'en rappelle pas, hein? Tu ne trouveras pas de meilleur ami que moi, Roop. Oui, t'as bien raison, Palak. Vas-tu rester grognon comme ça quand tu seras grand? Oui, tu seras toujours là pour moi. Même quand tu seras grand, tu ne vas pas changer? Non, tu vas toi aussi rester comme tu es maintenant. Tu vas continuer à me suivre et me consoler quand je serai triste. Toi, tu as toujours des problèmes. Et c'est toujours moi qui dois les régler. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, un roux? Bon, c'est fini. Partons. Prenez-en. Ce sont des gâteaux faits avec du beurre clarifié. Goûtez ça. Ce beurre est en fait le lait d'une vache de guir, vous savez. On se sert de ce genre de beurre clarifié chez nous. C'est 1200 roupies le kilo.
une fois que le mariage aura eu lieu, ensuite je vais te traire ta fille et toi comme une vache de gire et vous exploiter. Ou je ne m'appelle pas Nirmala Devi. Dites-moi, Shamsher, si vous voulez voir une photo du garçon, vous pouvez le faire. Ce n'est pas nécessaire, Ashok. Si le père m'a dit que le garçon est très bien, je le crois donc sur parole. Après tout, il m'a donné sa parole, n'est-ce pas? Il a un bon emploi, et votre famille me paraît respectable. Mais vous soyez un peu plus ferme. Prouvez que vous êtes un vrai homme. Pour le mariage, commencez à faire les préparatifs. Oui, c'est bien, mais nous pouvions une fois venir voir la prétendante. Très bien. Très bien, je concède que je ne serai Ria sans toi, Palak. Voilà, t'es Merci. Contente? Merci. Tu es ma meilleure amie. C'est toujours un plaisir de me disputer et de me réconcilier avec toi. Moi aussi. Excusez-moi. Qu'y a-t-il, Roop? Les hommes ne portent pas des chemises qui sont roses. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive si on porte le rose? Il nous arrive ça. Votre chemise deviendra comme ça aussi. J'espère que le garçon conviendra. Mon frère s'occupe de trois filles. Une partira. Belle sœur Kosalia, je n'arrive pas à trouver Ranvir nulle part. Il doit être allé jouer. Ça te pose un problème? Je n'ai aucun problème. Je posais la question juste comme ça. Et en passant, c'est que je ne vois pas le père d'Orbandre nulle part. Est-ce que vous saurez où il est allé? Oui, dis donc. C'est Shamsher le policier, non? Pas toi? Alors pas la peine de m'interroger sur où il est allé. Écoute, en tant que ta belle-sœur, je te donne un conseil. Tiens-toi tranquille, et quand il reviendra, tu peux lui demander où il est allé et pourquoi. Aussi, qui il est allé voir, hein? Va! Deux de ses filles sont revenues, mais mon frère n'est toujours pas là. Oh, mais Shamsher, tu es là! Viens, 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 assieds-toi, donne-moi donc des nouvelles, hein? Dis-moi donc, tout s'est bien passé? Devrais-je aller chercher les sucreries? Préparez-vous tous pour le mariage. Hein? Mon frère? L'alliance est conclue alors? Plus ou moins conclue, oui. Oh mais waouh, bravo! Félicitations, mon frère! Mais quel mariage? Le mariage de qui? D'Imani! C'est celui d'Imani, de qui d'autre? Le mariage d'Imani? Mais personne ne m'a rien dit à ce sujet. On vient de te le dire, non? Et de toute façon, la famille du garçon vient demain, afin de pouvoir voir Imani. Hein? Que veux-tu savoir d'autre? Ce qu'il fait comme travail? Il occupe un très bon poste dans le bureau des impôts. Il reçoit un très bon salaire et il attrape les gens qui font des fraudes. C'est bon? Mais notre Imani est encore une enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, hein? C'est que notre fille Imani n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, Shamsher. Et toi, quel âge avais-tu quand nous sommes mariés? 14 ans. Alors dis-moi, si toi tu as pu te marier à l'âge de 14 ans, pourquoi Imani ne peut-elle pas se marier à l'âge de 17 ans, hein? Tu as oublié? Toi, tu avais 17 ans quand tu étais enceinte d'Imani. Mais ce temps-là, c'était une époque différente. De nos jours, c'est illégal de se marier avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Qui suis-je, moi? Shamsher Singh. Je ne te demande pas mon nom. Dis-moi quel est mon travail. ASP. ASP. C'est moi qui fais respecter la loi. Et tu veux me faire peur avec la loi. Moi, je vais m'occuper de la loi. Toi, prépare la rencontre. Oui. Oui, mais...
Est-ce qu'Imani voudra se marier? Je veux dire, si jamais Imani n'aime pas le garçon, si elle n'aime pas son prétendant, elle... Quoi? Tu veux qu'elle se cherche un garçon elle-même? Son père, Shamsir Singh Wagella, est encore bien vivant, et je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Je ne vais certainement pas la marier à n'importe qui. J'ai bien tout vérifié. Ils ont une belle maison, c'est une bonne famille. Une voiture, le fils reçoit un bon salaire. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ta fille aînée va aller dans une bonne famille. Écoute. Le garçon me plaît à moi. Point final. Comme je le disais plus tôt, Imani et moi allons d'abord juger le bon goût de papa.